Aujourd'hui, je te donne une idée recette pour tes buffets ou tes brunchs. Dans cette vidéo, tu verras comment réaliser ces délicieux sandwich clubs. Pas besoin de temps de repos ou de cuisson, tu verras la recette est très simple et rapide à faire avec des ingrédients basiques. Allez, c'est parti pour les étapes de la recette. Donc tu vas commencer tout d'abord par prendre une boîte de thon, tu vas y ajouter une cuillère à soupe de mayonnaise. Ensuite, tu vas mélanger jusqu'à avoir une belle consistance crémeuse. Ensuite, tu vas prendre une tranche de pain de mie et tu vas venir étaler un peu de préparation pour mayonnaise. Tu vas ensuite venir déposer une seconde tranche de pain de mie. Puis, tu vas étaler du fromage frais type Saint-Mauré. Tu peux choisir bien évidemment le fromage que tu veux, mais il faut que ce soit un fromage qui est facile à étaler. Tu vas ensuite déposer des rondelles de concombre pour le côté fraîcheur. Et tu remets quelques points de fromage frais pour que la troisième tranche de pain de mie adhère quand tu vas la déposer. Ensuite, tu vas prendre ta troisième tranche de pain de mie pour le coup et tu vas étaler encore du fromage frais. Mais attention, il faut que tu en étales bien partout et surtout sur les bords. Tu déposes ensuite ta tranche de pain de mie côté fromage sur tes oignons frits. Appuie légèrement avec tes doigts pour qu'il y en ait bien partout. Quand ta tranche de pain de mie est totalement recouverte d'oignons frits, tu vas venir la déposer sur tes concombres. J'appuie légèrement pour que toutes les tranches de pain de mie adhèrent entre elles. Ensuite, avec un couteau bien aiguisé, tu vas venir découper en diagonale de chaque côté pour former des petits triangles. Ce sont tes petits sandwich clubs.